château de Léhoube, propriété vinicole célèbre pour son rosé, son huile d'olive. Et les beaux mimosas. Voilà le château. C'est pas la mer là ? La mer, et ouais, il y a la mer, bien sûr qu'il y a la mer, on y verra d'ailleurs. La mer en face elle brille, mais la mer rocale elle brille plus, elle est un peu fanée. Elle est ternie. Ah oui, à côté de la biette. Ça, Jean-Marc, on avait mangé là-haut. Sur les tables. Là-haut. Non, c'était garé au bord de la route avec les glacières. Bonjour madame. Magnifique. Il s'est couché et il a continué à pousser. Et ça continue à pousser. Bonjour. Regarde là aussi, il y a des belles croûtes. Vite ça. Bonjour madame. Ah ouais, c'est des posidonies. J'ai interdit de les enlever maintenant. Ouais, ouais. Ouais, d'accord. Porteur Roger Mozon en action qui prépare son drone. Ouais, il attend qu'à partir. Baby, I like it slow. Non, mais à la plage tout à l'heure. Les routes. Il faut des fesses, il devait faire. Le chemin là, venez là, tu vois, cette plage là. On va s'arrêter bouffer sur la plage du Pays de Grès. Et après, on fait demi-tour. Et là, la descente, après, c'est sur l'Espagnol. Là, on va plonger sur la plage de l'Espagnol. Ça leur coûtait plus cher que autre chose. Top Espagnol. Espagnol.
Ah, tu peux le faire brûler le drone, hein. Regarde là, c'est dur là. Dis Roger, là. Franchement, vous avez compris. Mais nous aussi, on a plus. Alors, on rentre et c'est fini. Là, c'est les caméras. Ouais, là, on rentre à la voiture et c'est terminé entre nous, hein, je vous l'ai dit. Ça va, là. On a fini, la balade. À la nuit tombante. On traverse les propriétés. On arrive toujours les mêmes vides. Hein. On a entendu que la nuit tombe, on a bien entendu tomber. Là, on a entendu un bruit. C'est ça, hein.